Comme ça, c'est mieux. Comme ça, c'est mieux parce que il y avait trop de lumière. Bonjour, 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 bonjour. Connectez-vous. Connectez-vous, partagez le live. On va décortiquer un peu. On va faire notre travail. On va rétablir la vérité. Voilà. On va rétablir la vérité. Voilà. Connectez-vous, 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 partagez, connectez-vous. Connectez-vous, bipez vos amis. Dites que le pape est en live. C'est mon jour de repos aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de mettre un peu ma bouche dans l'affaire. Ok? Qui est là? 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 Connectez-vous. Qui est là? Dites bonjour le pape. Bonjour, bonjour. Bonjour le pape. Installez-vous. Bonjour. Bonjour. En tout cas, malgré l'émission, les barrettes de la toile, on reste toujours blogueur. Voilà. On reste toujours blogueur. On continue de faire notre live sur notre page. Ça fait partie du contrat. Voilà. Ça nous empêche pas de décrypter l'actualité avec les barrettes de la toile en tant que présentateur. Mais en tant que blogueur, parce qu'on est blogueur d'abord avant d'être présentateur de l'émission. Donc quand il y a les bérets, en tant que blogueur, on a le droit de mettre notre bouche dedans. Donc partagez le live là. Partagez le live. Ça va être très très chaud. Ça va être très 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 dosé. Ça va ginzin. Voilà. Il y a des moments quand on veut s'amuser, on s'amuse. Mais il y a des moments là, quand c'est sérieux aussi, c'est sérieux. Voilà. Donc partagez. Partagez le live. Partagez le live, s'il vous plaît. On va saluer Torres Guessin, Yvette Sika, on va saluer Philamte, on va saluer Nina Valdemar. Voilà. Voilà. On va saluer mon bébé, ma fille chérie, Tupou Aïssalaï qui est là. Toujours fidèle au poste. Voilà. Ce qui est sûr, nous là, quand on doit parler, on doit parler. Voilà. Vous savez, ils ont essayé de pirater ma page. Mais cette page-là, je vous l'ai dit, parmi tous les blogueurs, c'est une des anciennes pages qui est là, qui résiste et qui est encore là. Voilà. Parce que je me défends, ok? Voilà, je me défends. Monica Ben, bonjour. Voilà. Dark Ojo, bonjour mon petit frère Papo. Bonjour Dark Ojo. En tout cas, je vais bien. Mettez les cœurs partagés. Daniel Tania, bonjour. Voilà. Quand on parle de blogueurs ivoiriens, non des moines, on parle de El Papo, JCJ. Donc, ce n'est pas ce que vous pouvez imaginer. Moi, ma page est attaquée. Ma page là, c'est bloqué, fini. Mais j'utilise ça pour faire passer mon message. Et quand je parle, ça rentre. Flora Tano, ça va? Donc, je vous donne 10 minutes. Dans 10 minutes, là, on est à 4 minutes. Dans 10 minutes, je vais commencer. Bipez-moi Yaka Yaka de Paris. Bipez-moi mon frère. Je l'ai toujours appelé Prési. Voilà. Parce que c'est comme ça que je l'appelle. Bipé Yaka Yaka pour moi. Dites-lui que son frère, Jesse J, veut lui parler. Vous savez, moi, quand je prends l'engagement de dire que je ne clash plus quelqu'un, je ne clash plus la personne. Ça ne sera pas palable. Parce que lui et moi, on est des frères. On n'est pas, voilà, on n'a jamais été ennemis. C'est un dévancier. Je lui ai toujours accordé ce respect de dévancier.
Et c'est eux, grâce à tout ce monde-là, on est rentré. Ils nous ont donné envie de faire du blog. Et la façon que eux nous ont enseigné dans le blog, c'est ce que nous aussi on fait. Et quand on fait, ça ne les plaît pas. Bipez-moi mon devancier. C'est mon petit frère en âge. C'est pas parce qu'il a les barbes. Il a coupé le coton en Korogo. Il est venu coller dans barbe là. Voilà, vous pensez qu'il. C'est mon petit frère. Voilà. Makoso que vous voyez là. Makoso même que vous voyez là. C'est mon petit frère. Mais il est chauve. Moi, je suis un joli garçon. Vous voyez. Voilà. Je suis le grand frère. Mais vous voyez. Mais Apoutou, c'est pas. Voilà, Apoutou, c'est mon enfant guingue. Makoso, c'est mon petit frère. Yaka Yaka, c'est mon petit frère. Peter 007, c'est mon petit frère. Voilà. Je suis un homme comme ça, humble. Bob Lick est mort là, 44 ans là. Bob Lick est mort là. Son 44 ans là. On a même âge. Mais regardez tête de Bob Lick et puis regardez mon visage. Je peux vous dire que dans la ville, il y a des gens qui sont nés comme ça. Je suis comme ça, il y a un visage de gamin qu'on a. Mais je suis leur grand frère. Donc, Bipe Yaka Yaka, dites-lui que son frère veut lui passer. Ce n'est pas un clash. Malheureusement, dans le chemin des blogueurs, quand on marche, à un moment donné, il se trouve qu'on se retrouve dans une situation opposée. On peut être ensemble, toujours, on défend les mêmes sujets, on défend les mêmes sujets. Mais il va arriver qu'un jour, on se retrouve dans un dossier où on ne partage pas les mêmes opinions. Moi, ça m'a plu, le dossier de Emma Loès à Touré. J'ai répondu à ma marraine tranquillement, sans la clasher. Je lui ai dit les mots sans la clasher. Il n'y a pas eu palabre entre nous. Oh, attends, je réponds. Je réponds, je réponds. Il y a un appel important. Je réponds, je réponds. Ne quittez pas, ne quittez pas. Il faut que je réponde, c'est important. Quand je suis en live, il y a toujours des personnes qui appellent. Jessie, pardon. Faut savoir ce que tu as dit. Le pape, tu as trop changé. Hein? Sylvie Kakou. Oh, Sylvie, pardon. Bonjour à toi. Sylvie, bonjour. Il y a Monica qui dit 44 ans des réseaux sociaux. Non, moi, ce qui me concerne, mon 44 ans là, c'est vrai. Je suis né le 20 avril 79. Tout le monde voit. Chaque 20 avril, je fête mes anniversaires. La façon que tu as à Abidjan là. Mon jugement là. Parce qu'ils ont fait mon jugement là. C'est mon même jugement là, j'ai pris. Et puis, c'est venu. Sinon, avec mon visage là, je pouvais dire il y a 36 ans. Je pouvais dire il y a 32 ans. Si quand même, je vous dis même qu'il y a 44 ans, vous pensez que je mens. Parce que ça ne ressemble pas à mon visage. Voilà. Si je vous dis il y a 50 ans, là même, vous allez dire, mais Jessie, tu exagères. Donc, j'ai 44 ans. Mon visage, ma tête que vous voyez là, c'est tête de quelqu'un qui a 44 ans. Mais bon, il n'y a pas les poils encore, les poils dégarnis encore sur ma tête. Ma tête est là, il n'y a pas Yomo, il n'y a rien. C'est mon visage, c'est là. Chaque fois que je vois des poils blancs sur moi, c'est dans mes narines. Ça apparaît dans mes narines. Sinon, moi, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Iberson Yahoo, ça va? Donc, je vous donne à partir de voilà, la 8, dans 2 minutes, je vais commencer. Donc, bipez-moi Yaka Yaka de Paris. Je vais parler à mon frère. Voilà, je vais lui parler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais encore passer un message à la Ekalandla. Voilà, je vais vous passer un message. Vous voyez, dans la vie, quand on marche 1 an, 2 ans, 10 ans, on mûrit, on évolue. Voilà. Votre patronne, elle était en France ici. Elle s'est cherchée, cherchée, cherchée. Ça n'est pas allé chez elle. Elle s'est retournée à Abidjan pour aller faire animatrice télé. Occupez-vous d'elle. Concentrez-vous sur elle. Vous êtes très, très mauvais. Très, très méchant. Vous êtes très, très méchant. Vous voyez, j'ai fait exprès. J'ai pris le chien de Sylvia, là, je suis venu mettre. Les mêmes qui dites là-bas, oh, vous dénigrez la femme. Quand il s'agit de Sylvia, là, vous voulez l'insulter. Ouais, il est vilain comme sa patronne. Il est comme ça. Et quand je regarde les noms, c'est les noms des gens de Ekalan. La façon que vous protégez votre soeur, et pour penser qu'on la dénigre, c'est comme ça que vous devez protéger tout le monde. Quand c'est Emma Loès, vous êtes prêt à humilier Emma Loès. Mais quand c'est Eka, vous êtes là, oh non, elle fait pitié, elle fait ceci. Je vous le jure, moi, je suis qui suis assis ici, là. Il y a une maman qui s'est levée, qui me donne l'argent chaque fin du mois à cause de Eka. Pour ne plus que je parle d'elle. Elle est là, elle vit, elle existe. Chaque fin du mois, elle me donne 500 euros. Pour ne plus que je parle d'elle. Donc ne pensez pas que c'est parce que j'ai peur de vous.
que je la laisse comme ça. Donc j'ai dit à la maman, maman, non, de temps en temps, je vais la titiller, j'ai fait le truc. Personne ne veut prendre et qu'elle a pour dire son bas billet. Vous serez découragé. Depuis qu'elle parle plus d'elle là, vous ne voyez même pas qu'elle la passe par flotteuse, tout ça, ils ont laissé un peu. Parce que c'est lui qui fait qu'on parle de cas sur la toile, c'est moi. Ça, je la prends comme ça et puis je la dépose là, d'une manière que vous connaissez là. Vous savez que ça chauffe. La maman me donne 500 euros tous les mois. Tous les mois, même pendant que ça entre parler là. Et aujourd'hui, le combien? D'ici le 9, le 10, mon jeton va sortir. Vous comprenez? C'est pour ça que je parle plus d'elle. Même son émission s'est sortie là. Je pouvais venir chauffer le coin, ça allait chauffer, on allait dire, oh, Jesse, là, il allait critiquer tous les jours. Mais je gagne mon gain. Moi, je fais pas, je vous ai dit ma page là, je cherche mon argent. Je fais mon blog là, c'est pour chercher mon argent. Vous comprenez? Mais quand on parle de Sylvia, vous venez vous insulter. Aujourd'hui, il y a une soeur qui s'appelle Kadi Mag, qui était dans la Ekalang. Comme elle a décidé de se retirer, aujourd'hui vous l'insultez. Aujourd'hui vous l'attaquez. Aujourd'hui vous racontez des conneries sur elle. Parce qu'elle a décidé de se mettre à l'écart. Parce qu'elle a décidé de se mettre à l'écart. Mais je vous le dis, l'émission que vous voyez là, cette émission Mood ou bien quoi là, cette émission-là n'aura pas long feu. Parole de Jesse J. L'émission là, la façon que le projet a été présenté à la direction en haut, et la façon que le projet est fait, et la façon que c'est accepté par les Ivoiriens, le projet n'ira pas loin. Si Allo Kavia même, Allo Kavia même qui était un peu national, Allo Kavia même qui faisait que les femmes laissaient leur foutu pour aller regarder, et que Allo Kavia ils ont mis un thème à ça, c'est pas ça là qui va aller quelque part. Ça là, ça apporte quoi à la jeunesse? Ça apporte quoi à la jeunesse? On prend deux filles, on les donne de s'habiller, on finit de les habiller, on les présente, et puis il y a une qui s'assoit, qui les insulte, qui les manque de respect, qui les rabaisse. Les gens regardent une fois, les gens regardent deux fois, les gens regardent trois fois. Et puis après, à un moment donné, ça va s'essouffler. Elle va inviter combien de personnes tous les jours là pour venir parler des mêmes choses, répéter des mêmes choses. Hé, à la télé là, la télévision, ce n'est pas ça. Donc, vous êtes chaud chaud, mais écrivez quelque part. Ils ont fait 1, 2, 3. Et ils voient. Ce n'est pas les trucs de 4 banquiers, on bouge, on met 14 000 personnes en live. Mais, et puis, ce n'est pas ça. Quand on fait de la télé, il y a quelque chose qu'on recherche. On recherche l'engouement. On recherche la captivité. Est-ce que ça captive? Ça ne captive personne. Il y a une personne qui vient, qui s'assoit, qui prend tout le monde de haut, qui fait truc. Les gens regardent et puis ça prend le téléphone. Allô? Ça va durer combien de temps ce scandale? Allô? Ça va durer combien de temps? Où est l'attraction? Allô? Ça va durer combien de temps? Série, cette émission n'a pas long feu. Mais je vous ai dit, tant que je reçois mon dieu, tant que la maman est constante, elle m'a dit, hein, Jesse, franchement, tu es un petit, j'aime bien. Faut pas aller te salir dans les conneries comme ça. Tiens ton jeton, mange. Je prends mon jeton, je mange. Et je me sens bien. Sinon, je peux chercher monétisation. Je peux clasher, car je sais qu'il y a beaucoup de détails. Ils vont venir sur ma page. Il y a gagné un de quelqu'un qui me donne gratuitement. J'ai quel effort à aller faire encore. Donc, vous êtes méchants. Quand il s'agit d'elle, oh, vous dénigrez la femme. Mais quand il s'agit de quand elle parle de Amonchik, c'est une femme aussi. Quand cette page pafloteuse première parle de Edwige, c'est une femme aussi. Quand cette page pafloteuse première parle de Leslie, c'est une femme aussi. Quand cette page pafloteuse première parle de Emma Loès, quand que Dieu nous des blogueurs caricature Emma Loès et tout ça, ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Et moi, je remercie Dieu. Et Carla, vous l'avez tellement prise d'une manière que vous ne la connaissez pas. Quand je parlais d'elle dans le temps, ça fait près d'un an et demi que je parlais d'elle. Je disais que c'était une fille dévergondée là. Les gens ne me croyaient pas. Aujourd'hui, qui es-tu femme? Kadi Mag. Tout ce monde-là, ils ont compris que ce que je disais. Même Momi Fili. Quand je disais que cette fille, vous ne la connaissez pas. Mais aujourd'hui, maintenant, elle est à la télé. Chaque semaine, vous allez voir du Eka. Chaque semaine, vous allez voir quand elle parle, sa façon. Oh, Didi B. Une femme qui est son mari. Tu te dis, voilà, elle, c'est un enfant. Je pensais que c'était son fils. Ça, c'est normal. Elle a le droit de dire ça. On va dire, non, elle fait de l'ironie. Mais c'est de la même façon que les autres aussi font de l'ironie. Et puis vous trouvez qu'on fait du dénigrement sur sa personne. Mais un monsieur
le jour de son mariage, qui fait la photo de mariage avec sa femme, et tu dis à la télé, ah, c'est qui lui derrière? C'est pas son fils. Elle n'est pas en train d'insulter cette femme-là. Et puis, elle va faire maintenant, ce qu'elle fait, c'est de l'hypocrisie. Oh, elle a une belle peau, elle est jolie, mais comme ça, elle est comme ça. C'est comme ça. Vous, les Africains, vous êtes tellement idiots, vous êtes tellement bêtes, que parce qu'elle a dit simplement, oh, José, elle chante bien, elle a une belle voix, mais en tout cas, son ventre est gros, mais en tout cas, son nez est large, mais quand même, hein, j'aime sa peau, et tant, et tant. C'est ça, on appelle Toronini, ya. Chez nous, les Africains, quand on dit quelqu'un est Toronini, quelqu'un qui est comme Souris Mouzaraigne, il t'est mort et puis il suit. C'est comme ça. L'hypocrite en personne, elle s'appelle Emmanuel Keïta. Et grâce à son émission, vous allez savoir qui elle est réellement. Les imbéciles des femmes frustrées, les femmes coagulées, qui viennent chaque fois quand on parle d'elles, viennent derrière, venir mettre des postes. Oh, Jesse, voilà. Vous allez savoir à qui vous avez affaire. Vous allez savoir. Chaque samedi, on est devant notre télévision et puis on regarde le cinéma. Chaque samedi, on est devant notre télévision et puis on regarde l'humiliation, la frustration. Chaque samedi, on voit une fille qui prend des jeunes filles qui n'ont rien demandé. Vous les prenez pour faire vos émissions et vous les exposez là comme des statues et vous venez les insulter. Oh, toi, tu es habillé comment? Mais ça, c'est quel jean ça? Ça, etc. Ça, c'est comme ça. Et toi, tu dis que tu fais un brunch, tu invites des gens et tu viens comme si on dirait que tu es descendu d'hélicoptère, chapeau comme ça. Robe, et puis les gens vont là, on te regarde. J'avais honte. Une fille africaine, en terre africaine, qui est là, qui marche un chien. Tu n'as pas de personnalité. Femme blanche marche un chien. Femme noire qui marche un chien. Tu as créé quoi? Ça, c'est des choses que tout le monde a l'habitude de voir. Chapeau, ce n'est même pas notre culture. Chapeau, ce n'est même pas un mariage. Les chapeaux comme ça, là, c'est dans des grandes cérémonies de mariage, des trucs comme ça, ou bien de deuil, soit par rapport à la couleur. Si on va au cimetière, et puis ce n'est même pas en conformité avec l'environnement. Tu t'en vas porter une tenue de détente, c'est-à-dire une tenue de sortie détente, avec un chapeau de cérémonie, sur le chapeau de cérémonie, et toi tu dis que tu es une conseillère en mode. Une conseillère en mode, qui se met à un brunch où il aura de la nourriture exposée et tout ça, et tu viens avec un chien en main. Chez nous, là, dans les centres commerciaux, là, chien ne rentre pas. Les poils de tes chiens, là, vont aller rentrer dans la nourriture exposée, les cakes, les petits trucs, les petits fous, tout ça. Toi, tu as chien parmi les trucs où on va aller manger. La saleté. C'est une fille qui est très sale. Elle est très sale. Mais je vais revenir là-dessus, et puis je vous ai dit, moi, je suis un homme, je suis juste. J'aime pas l'injustice. C'est pas parce que je vais pas m'attaquer à Eka, et puis je vais m'attaquer à Sylvia. Si je ne m'attaque pas à Eka, je ne m'attaque pas à Sylvia, je ne m'attaque pas à Emmanuel. La femme, c'est la femme. Pétou de Eka, là, son pétou, là, ce n'est pas ici. Son pétou n'est pas ici. Son pétou est entre ses cuisses, comme toutes les autres femmes. Si elle a un pétou, là, ce n'est pas ici, mais ce n'est pas sur sa gorge. Son pétou n'est pas placé d'une manière, puis pour les autres, est placé d'une autre manière. Kadi Magla, c'est une femme aussi. Qui es-tu femme? C'est une femme. Mommy Philly, c'est une femme. Si on doit respecter une femme, on respecte toutes les femmes. Vous allez venir insulter les autres femmes, rabaisser les autres femmes pour une bonne arienne. Et puis quoi? Mais ça, je mets de côté. C'est un avertissement. Voilà, c'est un avertissement. On est tous sur la toile ici, là. Les blogueurs, là, on est tous là. Chacun a sa bouche. Et puis, elle ne commande personne. Elle n'est la patronne de personne. Chaque fois qu'il y a un souci, là, je mets ma caméra et puis je l'allume. Depuis combien d'années? Vous avez déstabilisé, vous avez réussi à déstabiliser quelqu'un? Moi, Jesse, vous pouvez me déstabiliser. L'homme qu'on déstabilise, là, il s'appelle Jesse J. Vous êtes malade. Quand on parle un peu, oh, elle te voit pas. Il y a plusieurs audios de celle-là en train de pleurer sur mes vidéos. Donc, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas vous qui allez venir parler, oh, Jessie, elle ne te calcule pas. Elle ne me calcule pas en live, mais elle pleure. Moi, il l'a fait pleurer. Faut lui dire d'arrêter. Moi, il y a audio de ça. Ou quand il parle là, elle pleure. Donc, vous allez venir me dire quoi? Anyway, on met ça de côté. Yaka, Yaka, mon cher frère. Ce matin, j'ai suivi ton direct. Et dans ton direct, je vois que tu es en train de prendre la défense de ta camarade Yves Diro. Il n'y a pas de problème. Tu peux défendre ta camarade. Mais façon que tu as défendre ta camarade là, tu défends ta camarade contre une personne aussi qui a ses camarades.
Vous comprenez? Sabi Dieu, c'est ma marraine. Oui, c'est ma marraine. C'est pas que vous ne savez pas. Mais Sabine dit là, c'est ma marraine. Vous comprenez? Et puis cette femme-là, elle vous a démontré par A plus B qu'elle n'est pas n'importe qui. L'honorable Touré Alpha Yaya. L'honorable Touré Alpha. Mais regardez, même depuis qu'il a dans sa. Mon cher, tu écris. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Ça, c'est ton problème. Elle sait. Toi, tu ne t'appelles pas Eka. Elle s'appelle Eka. Voilà. Elle sait. Donc, il faut laisser ça. Tu as compris? Je touche 500 euros chaque fin du mois. Ce n'est pas dans ta peau, ça rentre. C'est dans ma bouche. C'est moi qui mange ça et ma bouche. À cause d'elle, j'ai d'abord 500 euros chaque fin du mois. Et ça, c'est ça qui est le vrai point. Donc, raconte ce que tu veux quand vous avez l'habitude de faire. Mais nous, là, on regarde. OK? Donc, mets-toi sur le côté. Je n'ai pas affaire à toi pour l'instant. Un jour, je vais faire direct spécial Eka. Je vais t'inviter. Tu vas venir et tu vas entendre ce que je vais dire là-dedans. Quand tu vas sortir de là, tu vas savoir. Et puis, prends note et puis écris aujourd'hui. Émission, ça là. Ça ne va pas aller jusqu'à. Là, ils ne vont pas terminer la saison de ça. Voilà. Émission qui est en train de se faire là. Écris. Ça fait troisième samedi, non? Voilà. En toute chose, en toute activité, on donne 3 jours à quelqu'un de faire son essai. L'essai n'a pas été concluant. Tu as compris? Voilà. Dis que c'est Jesse qui a écrit ça. Le pape, le prophète des blogueurs. J'ai écrit. C'est moi, je suis venu dire ici que, comment on appelle? Allo Kadia, c'était la fin de saison. Avant même saison, j'ai dit c'est fini. Je t'ai dit, je te mets au défi, écrit. C'était les 3 samedis. 3 samedis pour que la direction s'assoie et puis statue pour dire on valide ou on valide pas. Donc écrit, moi je t'ai dit, l'émission n'a pas long feu. Ça boude, ça commence à bouder. Les gens, c'est pas à ça qu'ils s'attendaient. Donc, mets-toi sur le côté. L'honorable était assis dans l'émission de Yves Dembélé. Il a été invité. Il a été invité en tant qu'homme. Parce que j'entends des gens, oui, regardez comment elle est en train de parler à nos autorités. Regardez pendant qu'elle est en train de parler à nos autorités. Regardez ce qu'elle est en train de faire à nos autorités. Le monsieur là, il est parti se présenter là-bas là. C'est pas en tant qu'autorité, hein. Il est parti se présenter là-bas là. Il est parti se présenter là-bas en tant que Touré Alpha Yaya. Touré Alpha Yaya. Même Touré Alpha Yaya que vous voyez là, c'est mon petit frère. Voilà. Je suis âgé que lui. Voilà. Il était invité en tant qu'homme. Voilà. L'honorable, je suis âgé que lui. Voilà. Donc, c'est mon petit frère. Vous comprenez un peu? Quand tu dis que tu es député de la nation, il représente la Côte d'Ivoire. Dès l'instant où tu es élu, tu devais être député de la nation. Quand on parle un peu, non, RHDP, non, mais tu as fait de la politique aujourd'hui, Yaka. Tu as fait de la politique. Tu as fait de la politique aujourd'hui. Ton direct d'aujourd'hui, c'était de la politique. Tu peux pas, tu parles de RHDP, tu parles en Djoula, comme si on dirait que la Côte d'Ivoire, c'est pour les Djoula seulement. Et c'est pour ça que nous, on n'est pas d'accord. C'est pas comme on n'aime pas la personne du président Alassane, mais on n'aime pas la façon que la politique est menée par le président, la façon de favoriser un peuple par rapport à un autre peuple. Vous comprenez? C'est ça qui nous énerve. Lui, il est député. Il est venu s'asseoir à la radio pour confirmer que Sabine Dieu a été arrêté. Ouais, où je vous parle là, elle est arrêtée. Sinon, mais ce n'est pas arrêté. En tout cas, mais il y a quelque chose comme ça. Il a dit ça. Et quand il finit de dire ça, toi, Yaka Yaka, dans ton direct, tu montres la maison de Sabine Dieu. Tu montres sa maison. Tu montres la maison dans ton direct. Yaka, RHDP là, ça va passer, hein. Ça veut dire que toi, la dernière fois, il y a un policier qui était en train, et il y a un homme qui était en train de maudire une femme policière. Et la vidéo a été virale sur les réseaux sociaux. La police a fait une déclaration. Ils ont demandé au monsieur de se rendre au commissariat le plus proche. Parce que le monsieur a enfreint la loi. Cette vidéo de Yaka Yaka ici sur Facebook. Où il est en train de montrer la maison d'une citoyenne ivoirienne. En live. En vertu de quel droit? Dans quel pays? Mais vous vous dites que la femme, elle n'a qu'à rester dans ça? La femme ne sait même pas qui vient l'interpeller. Mais la femme là, ce n'est pas une bandite.
Oh là là, la pluie, attendez, je vais monter mais vite là. Les gens se supposaient être des corps habillés qui viennent interpeller une personne. La personne a le flair. La personne décide de ne pas les suivre. Et quelques jours après, on voit les images de la vidéo de la personne sur les réseaux sociaux. Donc si elle les avait suivis, c'était son corps qu'on allait nous montrer. Ou bien on allait la montrer la vidéo d'elle en train de se faire violer. Parce qu'effectivement, ce sont des truands qui sont venus la chercher. Parce que c'est des truands. Des gens qui ont été envoyés. C'est eux qui peuvent filmer le lieu où on les a envoyés pour montrer, pour envoyer à leur commanditaire. En France, dans n'importe quelle république, il y a ce qu'on appelle secret défense. C'est-à-dire que des opérations, c'est-à-dire que l'armée ou la police qui filme des opérations juste pour avoir un témoignage, mais ils les ramènent à leurs responsables hiérarchiques et on met cela sur scellé, on fait de cela secret défense. C'est-à-dire que il y a des personnes qui ne sont pas habilitées à voir. Il y a des exécutions, il y a des arrestations d'autorité où on filme pour voir comment ça s'est passé, pour amener aux responsables hiérarchiques pour dire voilà comment on a arrêté. Et mais c'est secret défense. Comment se fait-il que l'interpellation supposée de Sabine Dié ou bien la maison de Sabine Dié est filmée et qu'un blogueur comme Yaka, qui est un blogueur proche de Yves Dero, reçoit cette vidéo? Qui a envoyé ces personnes chez Sabine Dié? Est-ce vraiment des corps habillés assermentés ou est-ce des hommes qui ont été envoyés pour aller faire du mal à une femme? Et qu'il fallait qu'on filme pour prouver réellement qu'on était sur le lieu et qu'on exige de se faire payer. Faisons attention. Et j'interpelle les autorités. J'interpelle la AK. J'interpelle la PLCCOB, la quoi là. C'est sur les réseaux sociaux et vous avez vu ça. C'est dangereux. Et la vie de cette femme est en danger. La vie de cette femme est en danger. Parce que n'importe qui rentre chez elle, on filme son lit. On filme ses toilettes, ses dessous. On filme sa maison. Une citoyenne ivoirienne. Juste parce qu'elle a un problème avec une personne lambda. Au détriment des règles élémentaires de justice. Devant la police, devant la gendarmerie, devant la justice. Des personnes se font justice elles-mêmes. Dans le pays d'Alassane Ouattara. Dans le pays d'Alassane Ouattara. J'interpelle les autorités qui ont vu la vidéo de chez Sabine Dié. Vous comprenez déjà que il y a un problème. Ils ne sont pas invités en ce lieu. Ce n'est pas une maison inachevée. C'est son domicile privé contre sa volonté qui est allé être filmé et montré sur les réseaux sociaux. En vertu de quel droit? En vertu de quel droit? C'est de l'humiliation. C'est de l'humiliation. On n'a pas le droit. L'État ne nous défend pas. Juste parce que des personnes mangent avec des autorités, elles s'octroient le droit de faire ce qu'elles veulent dans notre pays. Vous voulez attraper Sabine Dié, vous voulez faire d'elle ce que vous voulez, vous faites d'elle ce que vous voulez. Mais bafouer son honneur en allant filmer sa résidence de façon impunie et la brandir sur les réseaux sociaux. Voilà son caleçon, voilà ses placards, il n'y a rien dedans. Voilà, ce n'est pas ses fauteuils qui sont là. Parce qu'on est au pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas ça. Vous donnez encore la preuve et vous nous donnez raison qu'on a raison. Ce n'est pas les goudrons notre problème. Ce n'est pas la lumière à Abidjan notre problème. C'est cette façon de faire. Cette façon de faire justice. La justice des vainqueurs. Présentée comme ce que nous sommes en train de voir. C'est ça nous disons non. Est-ce que cette femme, elle fait des affaires? Les créanciers à qui elle doit, ils ont porté plainte? On attend la justice la poursuivre? La justice est en train de faire son travail et vous, pendant ce temps, vous défiez l'État. Vous montrez aux yeux
de tout le monde que la Côte d'Ivoire est un pays de vagabonds. Vous montrez à tout le monde que la Côte d'Ivoire est un pays d'escadrons de la mort. Parce que ça, c'est le comportement des gens, des escadrons de la mort. Mais effectivement, que Sabine Dié est puissante. L'Onze-Yohou, parce que une personne comme vous, à la personne de Chola Boubaraba, qui a joué sur ces relations, qui est allé chez Onze-Yohou pour aller la faire arrêter. Onze-Yohou n'est pas puissante. Ils l'ont pris, ils sont allés la jeter là-bas, comme une moins que rien. Mais Sabine Dié, elle vous a montré que elle, on ne la prend pas comme ça. Voici deux cas de figure. C'est pour ça qu'on vous demande de faire tout pour avoir des relations. On vous demande de faire tout pour être puissant. Ça aurait été le cas. Sabine Dié, aujourd'hui, allait se faire humilier. Si elle n'était pas la femme puissante qu'elle peut être. Mais effectivement, quand elle vous dit qu'elle est puissante, même face à ces escadrons de la mort qui sont allés chez elle parce qu'on ne connaissait pas les intentions. Si par malheur, elle avait suivi ces imbéciles, ces sales, ces hommes puants dont elle parle. Parce que la gendarmerie de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la gendarmerie de la Côte d'Ivoire qui va filmer la maison de quelqu'un pour montrer après un forfait. Ce n'est pas la police ivoirienne qui va le faire. C'est effectivement ces escadrons de la mort à la solde de Alpha Yaya, à la solde de Ividero, à la solde de Yaka Yaka. C'est exactement ces escadrons de la mort qui sèment le désarroi à nos populations. C'est exactement ces escadrons de la mort qui ont rendu visite à Sabine Dié. Si elle les avait suivis, son corps serait au banco. Ividero est une criminelle. Et il s'attaque. Oui. Quand elle a reçu la vidéo de ce que ces hommes sont passés chez elle, elle a fait une vidéo sur sa page Facebook où elle dansait, où elle disait on la série, elle dansait. Vous n'avez pas vu ça? La même façon qu'elle croyait que Love Gugu allait être condamné à 10 ans de prison ou quoi, qu'elle jubilait et puis après la justice l'a désavouée. C'est de cette même manière, elle est pressée pour danser et puis après elle a honte. Faisons très attention et continuons notre combat. Nous sommes dans la vérité. Voici comment les gens se comportent dans notre pays. Voici comment un blogueur peut avoir dans son téléphone la maison d'une citoyenne, d'une fille de la Côte d'Ivoire. Sabine Dié, c'est une fille de la Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'elle s'appelle pas Maïmouna Koné. C'est pas parce qu'elle s'appelle pas Aïcha Touré. Elle s'appelle Sabine Dié. Et parce qu'elle s'appelle Sabine Dié, n'importe qui peut rentrer chez elle, aller filmer sa maison et mettre sur les réseaux sociaux. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. C'est méchant. C'est méchant. On va aller voir ça de près. Venez, on va voir ça de près. On va vous montrer vite, vite. Elle n'a pas dit que les gendarmes ne sont pas rentrés chez elle. Elle a venu me dire ici, là, de chez qui. On suit. J'enlève la lumière. Voilà. Voilà la fille pour laisser tiroir. Vous pouvez regarder dans la maison des milliardaires. Regardez la maison de la milliardaire. C'est chez elle. Regardez les documents qu'elle a laissés par terre. En fuyant. En fuyant, elle a laissé les documents là par terre, à Bourlali. Je ne sais pas, attends, il met le volume. Je ne sais pas si le volume est. Anyway. Regardez, c'est chez elle ça. C'est sa maison qui est là comme ça. Regardez ses placards. Placards de la milliardaire. Regardez ses habits. Elle n'a même pas d'habits. Regardez là. Regarde, elle n'a même pas d'habit. C'est elle qui se moque des gens. Tout est calé son au sol. Elle a laissé tout par terre, puis elle a fui. On peut fuir comme ça. Non, Ividero, tu es femme. Hein. Non, tu es femme à multiples. Non, Ividero, tu es femme. Hein. Non, Ividero, tu es femme. Hein. Dans cette vidéo, des commanditaires d'Ividero a été envoyé à Ividero qui a commandité l'assassinat de Sabine Dié.
L'assassinat échoué de Sabine Dié. Et elle envoie à Yaka Yaka pour que Yaka Yaka humilie Sabine Dié. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Et il est en train de revendiquer. Yvie Doro, tu es femme. Merci pour le travail que tu as fait. Alors Sabine Dié, elle a ses réseaux. Parmi les commanditaires même qui viennent chez elle pour essayer d'attenter à sa vie, il y a forcément une personne qui va lui dire, ma chérie, si tu es à la maison, prends Darda, prends rapidement tes affaires et quitte les lieux. Parce que ceux qui arrivent là, ils ne viennent pas en enfant de cœur. Ils viennent pour te faire du mal. Elle prend son jambe à son cou pour sauver sa vie. Et vous riez qu'elle a fui, elle n'a qu'à rester dans ça. Elle n'a qu'à rester dans ça pour faire face à des criminels avec des gens avec lesquels j'ai marché. Où elle fait des directs, où elle me dit, je dis, ils ont des armes. Dans leur voiture, ils ont des armes. À la maison, ils ont des armes. Je les connais. Je connais cela. Ils ont des armes. Effectivement, ils viennent chez moi. Je fuis. Ils mettent ma maison à la recherche de quoi? Qu'est-ce que Yvie Doro et Alpha Yaya recherchent en fouillant la maison de Sabine Dié? Parce que elle est pressée pour partir là. C'est pas elle qui a mis sa maison comme ça, hein. Quand les gendarmes là sont arrivés, ou bien les hommes qui sont arrivés là, c'est sa maison. Elle sait comment elle va faire pour sortir de là. Quand elle s'en rend compte qu'elle est en danger, chacun a sa stratégie. Pour elle, une grande femme d'affaires, avec les réseaux qu'elle côtoie, forcément, elle a des connaissances en self-défense. Le self-défense, ce n'est pas seulement dans la bagarre. Le self-défense aussi, c'est dans la capacité à s'échapper des mains des personnes qui viennent pour vous tuer. Elle a réussi à s'échapper des mains de ces criminels parce que ces personnes étaient venues pour l'éliminer. Voici la réponse. Et puis aujourd'hui, vous vous riez. Vous voyez que sa maison a été mise en branle. Sa maison a été retournée. Parce qu'on s'est rendu compte qu'elle nous a échappé. Si elle a sauté derrière par la fenêtre, c'est comment elle a fait pour partir. Et quand elle remercie les ambassadeurs, ça veut dire que quand elle réussit à sortir, elle prend le numéro pour dire, je suis en danger. Je suis en danger. Et il y a une personne qui va dire, je vais venir à ton secours. Elle, aujourd'hui, elle est à l'abri. Et vous voulez faire passer la façon qu'elle arrive à s'en sortir de vos griffes. Vous voulez dire que, elle dit qu'elle est à la maison, non? Elle a fui. Qui peut rester dans ça? Qui peut rester dans ça? Il faut être bête pour rester dans ça. C'est que nous sommes en train de voir la réalité de notre pays où des personnes, parce qu'elles marchent avec les tenants du pouvoir, elles peuvent se donner justice elles-mêmes au détriment de nos forces de police, au détriment de nos forces de gendarmerie. Parce qu'aucun gendarme assermenté ne peut filmer la maison de quelqu'un comme ça. Ce n'est pas des gendarmes qui sont venus sur le lieu là. Ce sont les amis de Yvie Doro. Parce que Yaka Yaka le dit dans son direct. Yvie Doro, tu es femme, hein? À cause de toi, la femme a fui. Yvie Doro envoie ses amis chez une citoyenne ivoirienne. Avec la complicité de Alpha Yaya. Et les autorités ivoiriennes voient ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas encore interpellés. Dans quel pays sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Les Ivoiriens ne sont pas en sécurité. Dans leur pays, c'est ce que nous sommes en train de nous, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Parce que c'est clair, vous voyez sur vos yeux. La maison d'autrui est en train d'être filmée, remuée, retournée. En sac de sous. C'est normal. Et pour ça, on va s'en réjouir. Parce que ce n'est pas nous. Mais si ce n'est pas nous aujourd'hui, mais ça peut être nous demain. Bon sang. Pourquoi laisser faire et pourquoi se réjouir des bêtises pareilles? Notre rôle, c'est de dénoncer des choses comme ça. La femme a eu de la chance. Parce que si elle était partie avec ses bonhommes, on allait retrouver son corps le lendemain. Parce qu'elle en sait beaucoup. Elle en sait beaucoup. Elle en sait beaucoup sur ces personnes qui l'en veulent aujourd'hui. Alors, je vous amène à comprendre.
que cette femme a toujours fait ses affaires. La femme qu'on nous présente comme une escroque a toujours prospéré, a toujours évolué librement dans notre pays là. Et subitement, on se constitue en responsable d'association de victimes. On se met devant pour inviter des soi-disant victimes à venir nous rejoindre pour dire on va aller porter plainte. Pourquoi c'est maintenant que vous vous rappelez que c'est une escroque? Parce que certainement, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé dans votre partenariat. Peut-être qu'il y a des rétrocommissions qui ont été échappées, qui ne se sont pas bien passées dans votre partenariat. De sorte que, ah ouais, tu veux me doubler, mais on va enlever ça dans tes yeux. Sinon, vous étiez bons amis. Vous étiez très, très bons amis. Et très, très bons amis que vous avez même des notes vocales d'intimité. Oui, oui, oui. Parce que dans le direct de Yaka Yaka, comme il est en train de défendre son client, Alpha Yaya, il veut détourner une conversation. Comme si on dirait que, mais la fille dit bien dans la note vocale que le monsieur était crasseux, qu'elle ne peut rien faire lui, il est trop... Mais attendez, en ce moment-là, ils étaient des amis quand elle faisait la note vocale. Mais visiblement, dans la note vocale, on comprend très bien que c'est des avances qu'elle est en train de repousser. Pour ceux qui ont la compréhension, pour ceux qui comprennent français. Yaka, je te dis, ce n'est pas un clash. Tu es mon frère. Mais je défends ma personne comme tu défends ta personne. Sabine Dieu, c'est ma personne. Même si ce n'était pas ma personne, ici, je suis face à un cas d'injustice. Et tant qu'il y a de l'injustice quelque part, moi, Jessie Dieu, je mets ma caméra et je me mets là et puis je parle. La note vocale que tu as jouée là, c'est du mensonge. Je vais te donner la vraie version de cette note vocale. On va l'écouter ensemble. On va l'écouter ensemble. Je ne voulais pas aller trop loin dans la maison là, parce que c'est quand même la maison de ma marraine. J'ai honte de... Je ne vais pas l'humilier davantage. Mais je voulais vous montrer qu'effectivement, il a monté la maison de ma marraine dans son direct. Sur ordre de Yves Dero. Mais je ne vais pas aller plus loin que ça. Parce que c'est humiliant pour moi. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça à une personne. Écoutons la note vocale. Et on va la décortiquer ensemble. Avec vous. Et vous allez comprendre le vrai sens de cette note vocale. Parce que je sais que vous qui suivez le Robin des Bois, vous qui suivez le pape, vous êtes très intelligent. On va écouter la note vocale ensemble. On va vous montrer vite, vite. Elle a pas dit que... Elle n'est pas... Voilà. À Pimporo. Vu l'intérieur. Vous avez vu sa photo. Vous avez vu... Comment dire? Voilà. Vous avez vu ses lits. Vous avez vu ses fauteuils jaunes. On va écouter. Il n'a qu'à avancer. On va écouter. Vous allez voir. Elle ne peut pas venir me dire qu'elle est chez elle. Avoue qu'elle a dit qu'elle est chez elle. Elle a dit que moi, elle dit et qu'elle n'est pas chez elle. Yaka, tu as dépassé le détective. Quand se permet de couvrir pour avoir leur agent en vue de rentrer chez lui et en lui demandant de rentrer chez lui. Même que tu es un garçon, pour ne pas te mettre la main. Voilà. On va écouter ensemble. Voilà ce qui me plaît chez lui. Il est coincé comme toi. Toi, tu es coincé. Tes boubous, tes chaussures. Que, comment on appelle ça, Alpha Yaya là, c'est un, comment on appelle ça, c'est un dozo, c'est un chef dozo, et que, comment on appelle ça, il est mauvais, il a les âmes patati et tralala, il a les âmes chez lui, il a les âmes dans ses voitures, il a les âmes dans ses bureaux, il enlève les gens pour les frapper, puis il fait enlever les gens pour les frapper, puis pisser sur eux, et elle, il a tous ces défauts là, hein. Maintenant elle dit qu'elle est femme mariée, écoutez ce qu'elle, écoutez le message qu'elle lui envoie. Écoutez le message qu'elle lui envoie en tant que femme mariée. Écoutez. Voilà ce qui me plaît chez lui. Il est coincé comme toi. Toi, tu es coincé. Ça commence comment la note vocale? Voilà ce qui me plaît chez lui là. Il n'est pas coincé comme toi. Oh. Toi, tu es coincé. Oh. C'est une femme qui parle à son ami, qui lui fait de l'avance. Mais elle a un béguin pour un autre. Il est juste dans le goumé-goumé. Il y a deux personnes. On parle de deux personnes.
Voilà ce qui me plaît chez lui là. C'est que c'est quelqu'un. Voilà ce qui me plaît chez lui là. Mais c'est pas ce qui me plaît chez toi. Toi, tu es coincé. Toi, tu es mon ami. Je vais chez toi. Je vais dans ton village. Je vais partout. Tu es mes oyaux. Oh, que toi, tu n'es pas frais. Tu sens où sonna. Comment on appelle ça? Soumara. Il a fait quoi un garçon qui sent Soumara? Il a fait quoi un garçon qui sent Ousuna? Mais l'autre qui est à côté là, lui, il est frais. C'est ce que ça veut dire, Yaka Yaka. Écoute, ou bien tu n'as pas bien écouté? Tes boubous, tes chaussures, tes vieilles musiques du village. Elle est en train de le descendre. Toi, tes boubous. Il est tout le temps dans Casabia. Le gars, mais il veut boire de l'eau. C'est dans chose. Il prend ses rendards, puis il boit de l'eau, quoi. Boubou. C'est un gaou. Tout le monde, c'est bien, il a l'argent. Sinon, c'est un gaou. Quand tu le vois, il est à taper boubou. Un homme qui boit l'eau, elle est serdara. Elle n'a qu'à faire quoi, un homme comme ça? Mais la go en train de lui dire. Elle lui dit ça, bébé. C'est pas elle, c'est son ami. Qu'elle dosait même. Qu'elle disait, tu es sainte, etc. C'est pas elle, c'est son ami. Au moment où on faisait notre vocal là, c'est pas elle, parle à son ami. Mais quand ils sont en clash là, tu vois pas comment elle parle de lui? Mais nous-mêmes qui le connaissons, qui connaissons l'homme, on sait que c'est un vrai, on sait que c'est un vrai villageois, on sait que c'est un vrai traditionnel. Mais ce qu'elle dit là, on comprend dans le sens qu'elle veut dire, on comprend que toi, il a fait quoi, toi? C'est pas, on est des amis, tu me défends, tu me donnes un peu les jetons, tu me protèges. Oui. Donc, Lago, elle est en déplacement, elle est à son hôtel. Et forcément, il n'a qu'à jouer, il n'a qu'à te donner. Où ça a commencé? Tu comprends que c'est lui qui lui dit, hôtel où tu es là, mais donne-moi, je viens te rejoindre là-bas. Oh, c'est quoi, on veut faire la café? Et puis, elle est en train de lui répondre. Pourquoi il ne donne pas tout? Elle est en déplacement. Et puis, comme ils ont l'habitude de s'appeler, ils ont l'habitude de se faire des notes vocales, on ne sait même pas. Ou mais comme elle essaie de dire que lui aussi, il enregistre tout le monde. Peut-être que c'est la partie où elle parlait qu'il a pris un deuxième téléphone pour enregistrer, mais il a enregistré la conversation et il a juste coupé cette partie-là aussi pour diffuser. Et c'est la preuve encore qu'il enregistre vraiment des gens. Parce qu'apparemment, peut-être que c'était une conversation. C'est dans une conversation et la partie de la conversation, c'est là qu'il est en train de jouer. Donc, il enregistre vraiment les gens. Alors, tout ce que Sabine Dieu disait sur eux, mais elle n'a pas tort, elle n'a pas menti. Donc, certainement, peut-être que c'est une conversation, ils sont au téléphone, mais bon, c'est vraiment une note vocale, mais quoi que ce soit. Mais lui, il a ça quand même. Ok? Donc, écoutons les amis. Écoutons. Tu n'es même pas décoincé. On sent même que tu es un garçon pour pas te mettre les menottes. Tu es coincé, coincé. Le direct bouge pas, vous mettez pas les cœurs. Non. Eh, Yeriba. Hein? On sent que tu es un garçon, on peut même pas te mettre les menottes. On peut pas. La go, elle, c'est une go fraîche. C'est une go qui aime bien ça. Elle va aller faire quoi avec Dozo? Elle va aller faire quoi avec quelqu'un qui sent Soumara, qui sent Wusuna? Mais elle dirait à Yiriba. Yiriba qui est son cœur là. Yiriba là. Yiriba Jazal. C'est de Yiriba on parle. Tu es en train de faire jalousie sur Yiriba. Elle dit Yiriba lui là, c'est un homme. Toi tu n'es pas un homme. Ou elle est en train de te draguer? Yiriba lui, on peut lui mettre menottes. Mais toi, on peut pas te mettre menottes. Voilà ce que la vidéo l'a dit. Yiriba, lui, il est choco. Lui, là, il peut me soulever, il peut me renverser ici, il peut me mettre ici, il peut me faire ici. Mais toi, tu peux pas. Tu t'en t'assois pour dire, regardez, elle m'a breaké, elle voulait faire des choses. Vous voyez comment les gens mentent? S'il y avait pas des gens intelligents comme les Jesse sur la toile, les informations comme ça allaient passer crème. C'est Yiriba qui est là. Écrivez Yiriba Oye. Yiriba Oye. Écrivez Yiriba Oye. C'est Yiriba. C'est Yiriba, on dit lui là. C'est bon garçon. C'est Yiriba. Sinon, tout le reste, c'est connerie. C'est Yiriba qui est à la mode ici. Écrivez Yiriba Oye. Mes abonnés là. Ceux qui m'aiment Jésus Dieu là. Écrivez Yiriba Oye. N'écoutez pas les autres qui sont. Mettez Yiriba Oye. C'est Yiriba. Nous, on connaît. Nous, on connaît pas Touré. On connaît Yiriba. Voilà. Mettez Yiriba Oye. C'est Yiriba qui est le garçon fériment ici là. Le garçon yéré, c'est Yiriba. C'est Yiriba. Mettez Yiriba Oye. Yiriba Oye. Yiriba Oye. Yiriba voilà. Yiriba Oye. C'est de Yiriba qu'il s'agit. Donc Goumé, Alpha, Yaya, mets-toi, calme-toi sur le côté.
On parle pas de toi ici, on parle de Yiriba. Yiriba, eh, Yiriba, oh, Yiriba. C'est Yiriba qu'on connaît, c'est Yiriba qui est garçon. Yiriba le Zoyose. Tu fais jalousie de Yiriba? Tu fais jalousie de Yiriba? Yiriba, oh, yeah. Yiriba, oh, yeah. Mettez le cœur pour Yiriba. Mettez le cœur pour Yiriba. Mes amis, mettez le cœur pour Yiriba. C'est Yiriba, oh. C'est Yiriba qui est l'homme. C'est Yiriba qui a le bazouzou. C'est de Yiriba on parle. Tu vas venir, il est en train de faire goumé goumé, il est en train de faire jalousie, c'est Yiriba. Vous allez venir détourner. Yiriba, oh yeah, Yiriba, oh là, Yiriba, yuka demain matin. Yiriba, c'est Yiriba on connaît. C'est Yiriba on connaît. Elle dit même, elle, où elle est là, mais elle va raccrocher, elle va prendre God, et puis elle va penser à Yiriba pour ses os. Eh, ça bite toi aussi, eh, ça bite. Un homme qui est derrière toi, un homme qui te veut, un homme qui te prend, qui t'envoie dans son village, un homme qui te donne patrol, même patrol, même sans papier, pourquoi tu roules dans Abidjan, un homme comme ça, faut lui donner un coup aux, eh, ça bite, eh, yeah, yeah, eh, pourquoi tu fais ça? Enfin, il y a aussi le Dagba là aussi, tu peux pas, faut soigner Dagba là aussi, comment une femme va regarder un homme qui a Dagba et peut aller l'embrasser? Yiriba, oh yeah. Yiriba, c'est Yiriba on connaît. Hein, Yaka, là, là seulement là, il a mis 1-0 sur toi. Tu n'as pas perçu le truc. Tu n'as pas compris le message et tu balances comme ça. Quand on vous envoie une note vocale là, écoutez d'abord. Quand on vous envoie, écoutez d'abord avant de vous prononcer. Écoutez. Le Yiriba. Le Yiriba, est-ce que tu as Yiriba? Si tu n'as pas Yiriba, eh, la nouvelle danse. Yiriba, oh, Yiriba. 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 Ah, oh, Yiriba. Eh, Yiriba, oh. Ah, oh, Yiriba, oh. Yeah, Bazouzou, oh, Yiriba, oh, Yiriba. Eh, Yiriba. Est-ce que Yiriba même, c'est pas son surnom? Est-ce que Yiriba, ce n'est pas le surnom? Parce que en Djoula, quand on dit Yiri, c'est bois. Un gros bois, c'est ça on dit Yiriba. C'est un gros bois, on appelle Yiriba. Donc la femme, elle connaît son Yiriba. Mon Yiriba là, ce n'est pas toi. Yiriba, 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 oh Yiriba. Oh Yiriba, oh Yiriba, eh. Quand tu as Yiriba, oh femme, peut jamais te laisser. Malgré les 900 milliards d'alpha, ya ya, oh. Sabine Dieu préfère son Yiriba, oh Yiriba. Tu as beaucoup d'argent, oh, tu as les hommes partout, oh. Mais moi, je préfère mon Yiriba. Ah, oh, Yiriba, eh, Yiriba, oh Yiriba. Yeah, Yiriba, oh Yiriba, oh Yiriba. Nyaka kwa yika, oh Yiriba, oh Yiriba. Eh, hey, Vendia, Vendia doit sortir ça. Vendia doit sortir le Yiriba. Une femme, elle préfère son Yiriba. La femme préfère son Yiriba, quel que soit Alpha, quel que soit Alpha Yaya, quel que soit le milliard. Yeah, Yiriba, oh, Yiriba, oh, Yiriba, oh, Yiriba. Yeah, Yiriba, Yiriba, oh, Yiriba. Yiriba, Njula, ça veut dire gros bois. Gros bois en bas de quelqu'un. Yiriba, Njula, ça veut dire gros bois, oh. Gros bois oh, en bas de quelqu'un. Aïe, Yiriba, oh, Yiriba. Yeah, Yiriba, Yiriba, oh, Yiriba. Zoko quoi? Hey! Bon frère! C'est de ça qu'il s'agit. Vous partez faire médicaments. Vous partez faire sacrifice de vos testicules. Vous partez faire sacrifice de vos pines. Maintenant, beaucoup d'argent vous avez maintenant. Vous ne pouvez plus Mougou. Vous êtes frustré. Nous, on n'a rien. Mais on a Yiriba. Allez chercher l'argent dans vos bêtises de maraboutage. Allez chercher l'argent dans vos secs-là. Allez sacrifier vos pines. Toi, tu as pines mort. Tu as beaucoup d'argent. C'est pour mettre les enfants, les gens. Qui va faire quoi ça? On fait quoi ça? Allez sacrifier vos pines pour chercher l'argent. Nous, nos Yiriba. Allez chercher l'argent, entretenir les filles. Nos Yiriba, on est là pour faire ça. On fait le travail pour vous. On est là. On est là pour faire le travail là pour vous. Allez chercher l'argent. Oui, j'ai milliards, j'ai patron, j'ai beaucoup de ça, j'ai ça. Et puis en bas, il n'y a pas Yiriba. Il n'y a pas Yiriba. Il n'y a pas Yiriba. Vous comprenez? Cherchez l'argent, courez derrière l'argent. Mais la nuit, Yiriba fait le travail. Vous avez compris? Donc, en conclusion, c'est ça l'audio.
C'est audio de foutaise même. La Yiri... La Yiriba Gang, voilà. C'est nous là. Les partisans de la Yiriba Gang, c'est nous. C'est la Yiriba Gang, voilà. Nous, c'est la Yiriba Gang. Le reste, c'est les détails. Tu n'as pas Yiriba, tu viens vérifier quoi? Faut le fourca là-bas. Fourca là-bas. Pas Yaka Yaka. On parle de Yiriba. Et toi, tu te mets dedans. Oh, oh. Tu veux te confronter. Tu veux te confronter. Yaka, méfie-toi. Hey, méfie-toi, hein. Il s'agit de nous, les Yiriba. Donc, mets-toi sur le côté. J'ai pas affaire à toi. T'es mon frère, je t'aime beaucoup. Pardon. Ce dossier-là, il s'agit des Yiriba. Donc, mets-toi sur le côté. Oh, on doit rentrer en studio FVD en featuring. Yiriba, le titre. Sabine, après toi, on produit le son. On doit chanter la chanson des Yiriba. Parce qu'ils ont fait les garçons Ferima. Nous, les garçons Yiriba. Nous, les Yiriba, on doit avoir notre chanson. T'as vu? Lui, ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Ça chauffe même pas. Lui, ça chauffe tu pas. Tu plates un peu sur moi. Oh, là, en ce moment, j'ai réfléchi un peu à toi, regarde. T'as vu? Et non. Tu, pour économiser cet argent-là. Je suis en Occident, je sais. Il a les armes dans ses voitures. Toi, tu es coincé. Les gens, on pouvait frapper, puis pisser sur eux. Et elle. Voilà ce qui me plaît chez lui. Bureau, il est. Et puis pisser sur eux. Et elle, il a tous ses défauts là. Hein. Maintenant, elle dit qu'elle est femme. Je vais me calmer. On va écouter la note en intégralité. Écoutez le message qu'elle lui envoie. Qu'elle est femme mariée. Écoutez. Voilà ce qui me plaît chez lui. Là. Il est coincé comme toi. Toi, tu es coincé. Hein. Tes boubous, tes chaussures, tes vieilles musiques du village. Tu n'es même pas décontent. On sent même que. On peut insulter quelqu'un comme ça. Tu es coincé, coincé. Le direct bouge pas. Vous mettez pas les cœurs. Eh, Yiriba, t'as vu? Lui, ça chauffe pas. Ça chauffe même ça pas. Ça chauffe pas. Tu le plates un peu sur moi. Oh, là, en ce moment, j'ai réfléchi un peu à toi, regarde. T'as vu? Et là, on peut pas aller quelque part avec toi. On peut même pas te renverser un peu, même pour dire même qu'on va t'attraper. Tu es sain, on dirait. Truc. Oh, les gens respirent. On peut parler de mal à l'homme comme ça. Merci d'aller chauffer même. Tu vas m'énerver, il a appelé en vidéo. Tu n'es pas mon gars. Yeah. La honte. Tu vas m'énerver, je vais appeler Yiriba en vidéo. Et puis il prend mon gars. Eh, hey, Sabine. Tout est à faire quoi? Eh, hey, même si tu n'aimes pas un homme, faut le blaguer un peu. Comment tu peux frustrer un homme en live? Eh, non. Eh, hey, Yiriba. Yiriba. Yeah, Yiriba. À quoi ce coucou, allez, oh yeah. Dans politique, oh, tu vaux rien. Femme, oh, tu vaux rien. Mais pourquoi des gens sont nuls dans la vie comme ça? Regarde comment on fait. Tu entends quelqu'un, un homme qui... Yiriba n'est pas là, hein. Yiriba, il n'est même pas là. Mais regarde comment on est en train de faire son atalakou. Dans oreille de breaker, un pointeur. Hein? Il fait un talakou de Yiriba dans l'oreille du pointeur. Le pointeur même est frustré. Et lui, comme il a entendu mes notes, il n'a même pas compris le français de la femme. Là, elle me drague, elle a une note vocale. Et puis, les signes nostalgiques. Hein. Mais quand tu es illettré, l'illettrisme, c'était scandale pour lui. Un homme illettré est un dégât, est un danger pour la société. C'est-à-dire qu'il a entendu mes notes seulement. Elle dit, va me minuter. Et puis là, il dit, j'ai donné la note au blogueur. J'ai mis même sur la toile. Mais on t'humilie, mon frère. On est en train de t'humilier. Et c'est tes petits, tes bons petits qui sont derrière toi, qui bouffent ton argent, là. Tu vas pas aller les renvoyer? Tu vas pas aller les renvoyer? Mais, c'est pour ça qu'on est d'avoir les gens intelligents comme les Jesse. Si moi, Jesse, tu m'avais envoyé une note vocale, ça, là. J'allais te dire, ah, mon petit Touré. Faut pas jouer ça. Ça là, Yiriba a pris point dedans. C'est Yiriba qui a pris point dans ça là. C'est pas toi. Elle est en train de dire que c'est Yiriba qui est son homme. Que même là, elle va appeler Yiriba même là. Parce que le fait même qu'elle a parlé de lui même là, elle commence à mouiller, l'exciter. Elle va l'appeler, ils vont se zoyer en vidéo.
t'as pas entendu? On parle pas de toi? Elle a pas dit oui, pardon. Touré, pardon. Appelle-moi, je vois ton kiki, il est bandé. Tu n'as rien compris dans la vidéo. Mais vous êtes sur la toile là, vous êtes bête. Comment on peut décider d'allumer sa caméra et puis être idiot jusqu'à ce point? Mais réfléchissez un peu. Mais je sais même pas, mais je ne comprends pas. J'ai dit, franchement, et ce qui me fait mal, je sais combien de minutes de mon direct là, j'ai pas envie de durer dans ce live. J'ai pas envie de durer, vous comprenez? J'ai vraiment pas envie de durer dans ce live là, j'ai dit l'essentiel, c'est pour vous dire, les gars, continuez de prier pour Sabine. Voilà, elle est victime de son succès. C'est tout, elle est victime de son succès. Les gens lui en veulent parce que c'est une femme qui est très intelligente. Et elle vous l'a démontré par A plus B. Elle vous l'a démontré qu'elle est très intelligente. Les gens qui arrivent chez elle usurper la tenue de nos forces de défense et de sécurité. Mais elle a le discernement. Elle comprend tout de suite que là, ce n'est pas nos forces régulières. Ce sont des assaillants qui sont venus chez moi. Elle use des stratagèmes pour s'en défaire. Elle use des stratagèmes. Sa stratégie, c'est sa stratégie. Il y en a qui ont dit non, elle s'est comportée comme une folle, elle s'est déshabillée. Mon frère, le plus important là, c'est d'échapper à mes bourreaux. Comment je vais faire pour m'échapper de mes bourreaux? Ma stratégie m'appartient. Le plus important, c'est d'avoir la vie sauve. C'est d'avoir la vie sauve. Le plus important, c'est d'avoir la vie sauve. Le reste, c'est pas mon problème. Yaka Yaka de Paris, pour terminer ce live, tu as fait un peu de la politique, mais tu es jeune. Les djoula qui pensent que c'est Alassane Ouattara qui fait qu'aujourd'hui, le peuple du Nord, nous là, on est né en Côte d'Ivoire, on connaissait cadre du Nord, ministre du Nord. Ce n'est pas sur Alassane Ouattara. C'est pas Alassane Ouattara qui est venu mettre le Nord devant. Il est en train de mentir sur l'histoire de notre pays. Et nous, les vrais Ivoiriens, ça vous fait mal, hein, mais nous, les vrais Ivoiriens, on va l'empêcher de le faire. Ce document, vous pouvez retrouver ce document-là sur la page Facebook de Félix Houphouët-Boigny. Le père fondateur, il s'appelle Félix Houphouët-Boigny. C'est sa page Facebook. Le porte-parole du gouvernement, ministre des Sports, il s'appelle Laurent Donat Fologo, c'est un fils du Nord. Il va vous donner la composition de l'équipe gouvernementale d'Houphouët-Boigny. En 1986, il y a eu un remaniement que Houphouët-Boigny a fait. En ce moment, Alassane Ouattara, là, il n'était même pas encore premier ministre. Vous allez écouter et puis vous allez entendre, vous allez compter le nom des ministres du Nord nommés dans ce gouvernement en 86. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes venus là, des parvenus, vous voulez nous montrer comme on dirait que la Côte d'Ivoire là, c'est vous là, c'est des conneries comme ça. Hey, c'est les idiots qui comprennent pas. Tu parles au RSDP et puis tu parles en djoula. Moi, je parle djoula mieux que toi. Le djoula là, si toi et moi là, on se prend, on s'en va à Djamé, ils vont me prendre, moi, que toi. Pas être djoula, moi, mais ils rêvent en djoula. Il n'y a pas djoula mieux que toi. Donc, l'appel CC est sur la toile. Il y a un blogueur qui fait des directs pour s'aimer la division, s'aimer la haine. Mais comme il dit les RHDP, qu'il aime Alassane, il peut rentrer en Côte d'Ivoire, faire ce qu'il veut. Vous serez tous coupables, tous complices. Autant des Hutus et des Hutus là, au Rwanda, là, où là-bas, il y a eu plein de 1 million de morts. Là. Toutes ces personnes qui se sont comportées comme les Bogota, Zulu Bogota ou bien quoi là. Les gens comme ça là, qui attisent la haine entre les Ivoiriens. Un jour,
vous serez comptables devant l'histoire. Vous tous, toutes ces personnes, tribalistes qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui pensent qu'ils maîtrisent trop. Parce que Alassane Ouattara, je vous le jure, je vous le dis, son temps va passer un jour. Mais le nouveau président qui va venir là, ça sera un président pour semer la réconciliation. Et toutes ces personnes qui ont contribué à la division des Ivoiriens, vous serez tous comptables, tous complices devant l'histoire. Et vous serez tous jugés selon ce que vous avez fait. Vous serez tous jugés. Parce que comment un fils du pays, un blogueur, peut se mettre à la caméra pour dire à nos autorités, nos ministres, que ceux qui sont pas d'accord avec Alassane, il faut s'en méfier. Donc ça dit que moi, Jesse, je suis jeune Ivoirien, j'ai besoin de parler à Touré Mamadou, mais comme je ne suis pas RHDP, Touré Mamadou ne doit pas m'ouvrir les portes de son bureau. Et c'est un blogueur ivoirien qui dit ça. Ça, c'est un appel à la haine. C'est un appel à la division. Je suis opposant, mais je suis ivoirien. Alassane Ouattara, c'est le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Il n'est pas le chef du RHDP. Je suis désolé. Allez encore réfléchir, allez vous former. C'est pas moi qui l'ai envoyé d'être président. S'il pouvait pas aimer tous les Ivoiriens là, il n'avait pas besoin d'être président. S'il acceptait d'être président, c'est parce qu'il peut avoir le dos large d'aider et ses partisans et ses adversaires. C'est ça la politique. Macron est le président des Français. Il n'est pas le président de républicains, mais quoi là. Vous êtes trop sauvage. Comment tu peux dire, oh nos cadres là, il faut que vous aidez ceux qui sont RHDP et les autres qui sont... Comment tu peux dire des choses comme ça? Dès l'instant où ils sortent de leur famille politique et qu'ils prennent des institutions de la République, ils deviennent pour toute la nation, ils deviennent pour toute la Côte d'Ivoire. Et nous tous, on a le droit de les voir. On a le droit de discuter de l'avenir du pays. On a le droit de donner notre avis. Je vais vous donner la composition du gouvernement de Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, père de la nation. Le porte-parole du gouvernement s'appelle Laurent Donat Flogo, secrétaire du PDCDA. C'est un fils du Nord. Vous parlez de quoi? C'est Alassane Ouattara qui a nommé en Côte d'Ivoire un ministre une fois dans sa vie du Nord. Vous faites en dire que Jean-André, la Côte d'Ivoire, c'était un bourbier, le Nord était marginalisé, et c'est quand le sauveur Alassane est arrivé, et que le Nord a connu, une fois dans sa vie, un ministre. Des imbéciles comme ça, des idiots comme ça, vous voulez mettre le feu dans ce pays, vous voulez mentir aux Ivoiriens. Quand on faisait l'école générale, c'est nous, on vous a dit d'envoyer vos enfants à aller faire franco-arabe pour être nul, à vendre des colas, à vendre les lots glacés dans la rue. C'est nous, on vous a envoyé. Si vous ne connaissez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous allez tronquer l'histoire à raconter des conneries. Mais la vérité est là. Alassane n'est pas le premier président ivoirien à nommer un ministre du Nord dans son gouvernement. Ça a existé depuis toujours. Depuis 1960. Depuis que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. On a toujours connu des ministres du Nord. Arrêtez vos conneries là. On va compter le nombre des ministres dans ce gouvernement d'Oufoué en 86. Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est quoi? Vous voulez nous faire passer pour quoi? Pour des méchants? Vous voulez nous faire passer pour quoi? C'est vous les méchants. C'est vous. Quand on parle un peu. Hé, attends, Marolo. Quand on parle un peu. Akanaké, pouvoir ni c'est des conneries comme ça. Monsieur Vincent Pierre Lokou. Ministre des Postes et des Communications. Monsieur Vincent Tchekou-Djedji. Écoutez. Ministre des Mines, Monsieur Yed Esaïe Bangoro. Ministre de l'Enseignement primaire, Madame Odette Kwame Nguessan. Écoutez, hein. Ministre du Budget, Monsieur Moïse Moué Koufi. Ministre de la Recherche Scientifique, Monsieur Alassane Salif Ndiaye. Ministre de la Construction. En fait, deux. Alassane, Salindiaï. Trois. Oumar Diara. Yaya Ouattara. Quatre. Cinq. Monsieur Jean-Jacques Michaud, ministre de la Marine. Monsieur Lamine.
La mille fatigue à 5. Manda o CIS. Écoutez. N'était même pas encore premier ministre. Dans le gouvernement de Côte d'Ivoire, là, c'était. Et puis les postes stratégiques, là, c'était les fils du Nord. Vous parlez de quoi? De quelle Côte d'Ivoire vous parlez? Comme si, quand vous parlez là, vous faites en direct qu'il a fait quelque chose de spectaculaire. Il n'a rien fait de spectaculaire. C'est des conneries. Même Barry Batesti là, il a dit non. Mais il était ministre, il était une chose métisse. Ministre des Finances. Ministre des Finances, monsieur Abdoulaye Kone, ministre des Finances. Tous les postes stratégiques, c'était pour les fils du Nord. Enseignement technique, tant, tant, tant. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Le Nord a connu son ministre une fois dans la vie ivoirienne grâce à Alassane Ouattara. Vous parlez de quoi? Et puis on a toujours fonctionné. On avait toujours des hommes comme ça du Nord qui étaient ministres et on vivait à Kokodi, à Djamé, à Port-Boué, à Niama. La vie était plate, calme. On sentait rien. On sentait rien. Les bêtés avec les ministres, Agni, partout, toute la Côte d'Ivoire, la démographie. C'est-à-dire que tu regardes comme ça dans le gouvernement, tu vois la symbiose. Tu vois la Côte d'Ivoire. Mais la particularité, la part belle, c'était à qui? La part belle, c'était au ministre du Nord. Mais dans le respect des uns et des autres, dans le respect de la vraie fraternité, on était frères. Alassane, il arrive et il fait comme si on dirait que c'est lui qui a créé ça, mon frère. Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Oufou était déjà dans ça. Tu n'as rien créé? Tu n'as rien créé, tiens. Il a créé quoi? Arrêtez de nous distraire. Je vous fais écouter la liste des ministres en 86. Où notre Côte d'Ivoire, on avait la paix. Où les Ividrons, les gonflés, les dévêques, les prostituées comme ça, pouvaient se permettre de faire des imbécilités qu'elles font là. Dans la Côte d'Ivoire d'Oufou, des bêtises comme ça. Vous faites rien. Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Laurent Donafro, c'est un fils du Nord. Ma marraine Sabine dit, sois bénie, merci d'être ici mon direct. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège là où tu es. Tu as montré que tu es une femme forte et que tu as montré que tu es une femme qu'on ne marche pas sur tes pieds. Sois béni. Merci d'être sur mon direct. Écoutons la Côte d'Ivoire d'Oufoué-Boigny où il n'y avait pas cette chienlit là qui venait nous emmerder. Écoutez la Côte d'Ivoire d'Oufoué-Boigny. Ministre d'État, monsieur Lamine Diabaté. Lamine Diabaté là, c'est Gouro. Lamine Diabaté, c'est Gouro. Mais en ce moment-là, les gens ne séquestraient pas les gens. Les gens ne se promenaient pas dans leurs voitures avec des armes. La Côte d'Ivoire était belle. Dans notre diversité. Dans notre diversité, la Côte d'Ivoire était belle. Une et indivisible. On ne disait pas que lui, il était ceci. Oh, toi, tu es comme ça. Toi, tu es Boyerodian. Oh, toi, tu es Bousmani. Toi, tu es comme ça. Il n'y avait pas ce langage-là.
Et quand je dis je suis fils d'Oufoué, je me réclame oufouétiste. Quand je prends le pouvoir, c'est pour venir pérenniser les œuvres de mon père. C'est pas pour venir semer la division. Goudron, c'est quoi? Goudron, il pleut deux fois, trois fois. Tout Goudron, ça va là. Vous pensez que c'est quoi? Moi, je viens en France, c'est Goudron qui va m'épater. Ce qui va m'épater, c'est de voir la capacité d'un homme d'État s'asseoir et réconcilier ses partisans avec ses adversaires et se mettre au milieu et trancher comme un grand, trancher comme un dirigeant, trancher comme un responsable. C'est ça qui peut moi m'étonner. Ce n'est pas le milliard, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les ponts, ce n'est pas le truc. Ce qui va m'étonner, c'est de savoir que quelqu'un peut tenir un discours rassembleur. Je demande à tous les enfants du pays, vous qui êtes à l'étranger, rentrez chez vous, je suis votre père, je vais vous accueillir. Peter a fait ça. Il est où? Il est où? Aujourd'hui, Kaki Sely est rentré. Kaki Sely est rentré. Par quoi? Allez dire oui, je reconnais. Il faut faire allégeance d'abord. Oui, je reconnais qu'elle a son Ouattara. Il faut faire. Non, non. S'il n'a pas signé papier, il ne peut pas rentrer. C'est ça, là, moi, j'ai applaudi. C'est des bêtises comme ça, moi, je vais applaudir. Vous parlez de quoi? Je vous donne la composition du gouvernement. Et puis vous allez entendre le nom des enfants du Nord dedans. Lanzéni Koulibaly, c'est Atier. Kei Bogina là, c'est chaud, c'est où? C'est pas moi, hein. Regardez, c'est la page Facebook de Oufoué Boigny lui-même. Voilà sa page, Félix Oufoué Boigny. Et celui qui parle là, il s'appelle Laurent Donat Fologo, père à son âme. Ça, ce sont les 10 fils de la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous comprenez un peu? Donc, où on veut nous amener là? On va pas là-bas. Il y a trop de désordre dans ce pays. Et on doit se taire. On doit se taire. Vous venez humilier une fille du pays. Aller chez elle, aller filmer. Et vous êtes content. Vous partez filmer la propriété privée de quelqu'un. Dans un pays que vous dites non, c'est une république, c'est un pays de droit. Vous partez filmer sa résidence privée et puis vous mettez sur les réseaux sociaux. En tout cas, on regarde les autorités. On espère que vous allez produire un communiqué. Parce qu'il y a la vie d'une fille de la nation en danger. Mais c'est un crime. Vous êtes parti pour la tuer. Si elle ne s'était pas sauvée, on allait, et puis vous allez, comme vous avez déjà préparé l'esprit, oh, elle est escroc, elle est comme ça, elle est ceci. Demain, si on retrouvait son cadavre dans la rue, les gens allaient sortir. On a, ah ouais, c'est bien fait pour elle. Elle est comme ça. Comme elle allait prendre la croix de Jésus là, voilà, c'est son karma. Vous avez déjà préparé l'esprit des gens. Vous avez déjà manipulé l'opinion par rapport au forfait que vous avez. Mais comme Dieu ne dort pas, comme Dieu est avec elle, comme c'est une fille bénie, aujourd'hui, on voit le vrai visage de ce que vous avez préparé pour elle. Elle a échappé à un assassinat. Les personnes qui étaient venues chez elle, si elle voulait dire, bon, je respecte trop l'État, je respecte trop la République, je vais suivre, je vous suis. On partait la battre. Et vous venez soutenir des choses comme ça. Depuis quand la police s'en va chez les gens arrêter quelqu'un et puis il filme pour envoyer à quelqu'un? Si toi, Yaka, tu as cette vidéo là chez toi, c'est Yvi Doro qui t'a donné. Comment Yvi Doro peut se donner le droit d'aller chez une citoyenne ivoirienne pour aller filmer sa maison et donner à un blogueur? En tant que qui? Il y a un homme qui était en train de brutaliser une policière comme ça. Elle n'a même pas porté plainte. Vous avez vu l'image sur les réseaux sociaux. Vous avez convoqué la personne. On espère, chers autorités. Je ne suis pas là en train de parler en tant que RHDP ou GPS. Je parle en tant qu'un fils de la Côte d'Ivoire. Je m'en fous de RHDP, mon frère. Moi, pour moi, c'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le RHDP qui commande la Côte d'Ivoire. Là. L'État, c'est l'État. On a confié notre État
au RHDP parce qu'ils ont été majoritaires aux élections, ils ont gagné le truc. C'est pour diriger notre bien commun. Ce n'est pas pour nous marcher dessus. Et en 2025, on va trancher encore pour voir si on leur donne encore 5 ans supplémentaires ou bien on les dégage. Ça, c'est le rôle de la population. Ok? Donc, je suis venu là pour établir la vérité du direct de Yaka Yaka. Je vous dis, c'est mon frère, ce n'est pas un clash. Il défend son frère Alpha Yaya et sa sœur Ividero. Moi, je défends Sabine. Mais ce n'est pas un clash. Lui au moins, on ne peut pas se manquer de respect. Mais cette fois-ci, on se retrouve sur un sujet où on est opposé. Je ne vais pas lui parler, c'est Yaka Yaka. J'ai ma vérité, puis je vais me taire. Et je vais parler, je suis blogueur. Je parle bien. Et j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. En tout cas, pour ceux qui viennent me prendre en marche, quand je vais couper le direct, vous regardez le direct en replay. Il n'y a pas de problème. Pour ceux qui m'ont suivi, merci de m'avoir suivi. Et puis, continuez de vous abonner sur la page de Chic Image pour suivre les barrettes de la toile. Là-bas, là, c'est en tant que présentateur de Sidier. Mais qu'est-ce que je suis sur ma page ici, là? Je suis ici en tant que le pape du Djenzeli. Voilà. En tant que le pape du Djenzeli. Vous avez compris? Donc, c'est un peu ça. Je suis à combien de minutes de mon direct? 1h21. Donc, c'est là, c'est suffisant. J'aime pas faire les directs longs. Voilà. C'est suffisant pour moi ici. On va s'arrêter là et puis on va observer encore. Mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Quand on va parler, vous allez dire non, voilà, vous parlez comme ça, on vous attend au pays. Mais vous poussez les gens à bout. Au nom de quoi? C'est vous-même qui gâtez le travail du président Alassane Ouattara? Comment vous pouvez, vous-même là, regardez ce que vous avez fait là. À votre avis, ça s'est fait? Comme la dame a fait une vidéo pour dire que je suis là, je me porte bien. On va montrer sa maison pour dire qu'elle n'est plus là-bas. Mais la maison, là, vous pensez que quelqu'un peut elle-même... Vous cherchez quoi dans la maison de la dame et puis vous avez fouillé sa maison, aller renverser tout, verser sur le lit par terre comme ça. Vous cherchez quoi? Donc, n'importe qui peut se lever en Côte d'Ivoire sans mandat, sans rien, rentrer chez quelqu'un, casser la porte de quelqu'un, aller fouiller, filmer et puis balancer sur les réseaux dans le pays d'Alassane Ouattara. En plus de 15 ans de mandat, c'est comme ça se passe? Bon sang, les gars, arrêtez. Ne soutenez pas la bêtise. Ne soutenez pas l'injustice. Moi, pour ma part, jusqu'à ce qu'il y ait Miss Côte d'Ivoire là, où elle était en truc de Jésus, qu'elle allait là, cette dame, on n'a jamais entendu quelque chose sur elle. Parce qu'on entend quelque chose sur elle, ce sont ces détracteurs qui fonctionnent aujourd'hui à visage découvert. Alpha Yaya et Evidero. Jamais on n'a donné quelque chose sur elle. Quand on entend des choses sur elle, ce sont ces habits spectaculaires qu'elle porte. Tout le monde est dans le game. Elle a sa façon à elle de travailler sa communication. Et quand elle fait là, ça a déjà. La première fois, c'était sa robe rouge. Elle a déjà. Ça parlait de ça. Après la robe avec la maison. Après la tenue qu'on a vue ici. Je vous ai posé la question. Parce que c'est la croix là qui vous choque. Vous n'avez pas dit à l'église, quand vous partez escroquer les gens à l'église, vous n'avez pas dit que Jésus est ressuscité, qu'il n'est plus sur la croix. Mais quelqu'un marche et boit quelque chose dessus. Vous avez identifié Jésus dessus. Mais je ne comprends pas. Il n'est pas ressuscité. C'est si boit de Sabine Dieu, maintenant il est allé s'habiter. Moi je ne comprends pas. Vous-même dans les églises là, pour donner la force à vos fidèles, vous dites qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel. La dame va prendre croix pour mettre six bois. Subitement, vous dites maintenant que non, il est truc. Hey, ça va gazer. Bon, je vais vous laisser. Nous, on a du travail. Mon boss est arrivé. Voilà, on doit bosser. Ok, sur ce, passez une très très bonne journée. Sadiazal.